comment bien terminer une... Voulez-vous faire des bans? Soyez tout le temps d'accord avec le streamer, les gars. Et voilà, et laissez un pouce bleu également, et soyez d'accord dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Bon visionnage. Bonjour, étonnamment surpris d'être ban du chat. Ah bon? Pas moi. Au revoir. Tu débites, hein? Ah, c'est moi qui t'ai ban, tiens. Allez, enfin vrai. On va voir si, effectivement, là, on est vraiment dictateur ou pas. Est-ce intéressant de voir les poids de Ibai et Kamel est identique des mastodontes? Reste royaliste et arrête de faire ton discours à 2 francs pour plaire à tout le monde. Hein? Locke, t'es gênant. J'ai été des bans. 2 bans. Ah, mais t'inquiète pas, hein, là, ça va être fini. Le clear gay, alors? Mais attends, mais comment ça se fait que ce gars-là, on l'a déban, genre? Le clear aka, le mangeur de soja, est de retour. C'est pas bien ce que Will Smith a fait, gna gna gna, manger des légumes. Ah, c'était ce jour-là. C'est ce jour-là où je disais qu'on peut pas cautionner la violence comme réponse. Même si, effectivement, c'est un argument chiant fait en public à sa femme, on peut pas cautionner la violence. Et du coup, je suis contre l'acte de Will Smith et je reste contre et je reste maintenu ferme. Mais apparemment, du coup, je suis un mangeur de soja. Mais attends, mais toi, du coup, on t'a banni ce jour-là. Band, homophobie. Fragile, bref, on s'en fout. Ah ouais, là, c'est vraiment... C'est grave, quand même. On le débanne, sûrement dans un autre tribunal de débanne, et le mec revient en courant. Il revient en courant et il a pas perdu une seule seconde. Bah alors, t'es fragile? Bah alors, t'es ban? T'existes plus dans ma vie. Et d'ailleurs, tu pourras plus regarder mon live, du coup. Tous ceux qui sont ban, là, et qui ont écrit Z tout à l'heure, ne pourront plus regarder mon live en septembre. J'ai trop hâte. Vous ne pourrez plus regarder le live. Oh non, le clear, j'ai mis Z, c'est tout, j'ai rien fait. Non, c'est ciao, frérot, tu pourras plus regarder le live. Eh oui, mon frérot. Personne donne rien à cette crevure, crève. Alors lui, les gars, il a le seum, hein. Il a le seum, les gars. Il est blindax, cette charogne. Alors là, mesdames et messieurs, là on en a un, les gars, on en tient un qui a vraiment le seum. Hein. Elle dit je suis pour 10 balles, ok. Un corps de BMX, mon ref, ok, c'est pas forcément faux, hein. c'est pas forcément faux, je suis plutôt athlétique, hein, comme un BMX d'ailleurs. Il était bienveillant quand je jouais avec Taz, tu peux transformer les poulets si tu leur mets assez de sel. Ah bon, c'était bienveillant. Le poulet dans ton cul, Locke. Et ça, t'as un corps de trottinette électrique, Sartek. Trottinette électrique. Et après, il a vu que sa vanne n'avait pas passé. Il dit que j'ai un corps de BMX. J'ai toujours pas compris, les gars. J'ai toujours pas compris. Et ensuite, on comprend pas pourquoi il dit elle suce pour 10 balles. C'est probablement moi. Et Lico s'est éclaté. Là, il continue à backseat normal. C'est. Voilà, tu vois, là. Plutôt commentaire normal, tu vois. Il revient 10 jours plus tard, les gars, il est de bonne humeur. Et du coup, c'est éclaté. Non, c'est pas bon. Il revient 10 jours plus tard encore. Et là, t'es à chier. Et là, il vient de réaliser le nombre de subs que j'avais. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup d'écart de jours, hein. Mais il est blindax, cette charogne. Personne donne rien à cette crevure. Crève. Personne n'aime le clear avec sa personnalité de de fils unique nombril. Alors, j'ai 2 grandes sœurs. Oh, hein, donc, je suis le petit dernier, en plus. Du monde narcissique qui l'a cassé son père. Se mange Téma, comment il parle mal à tout le monde, même au modo. Une vraie une sombre Téma, il est là. Il pense que TLM court après ses points de chaîne, sérieux là? Tout le monde s'en bat les couilles de ses points de chaîne. Il a craqué lui, il rage sur un jeu à 15 €, c'est bon, tryhard de m. Il joue plus, il subit le jeu. Le boug, cassos de m. 8-23, c'était il y a pas longtemps. On sait ce qui s'est passé. Il a perdu une prédiction, les gars. 100%. Mais peut-être qu'il fait partie de cette rare espèce qui pense que les points de chaîne, c'est de l'argent. Ah, je faisais payer pour les prédits. Ah, ok, ça a du sens, merci. Encore un qui a pris la mouche pour les points de chaîne. Pour le coup, là, j'hésite à le déban, chat. Je pense que du coup, le il est blindax, cette charonne, il parlait pas à moi, il parlait à un autre mec. Mais le fait qu'il souhaite ma mort, c'est un peu plus chiant. Vas-y, hein, franchement, pour son message de déban, c'est vraiment juste du seum, quoi. T'as le seum. Calme-toi, Téma. Client suivant, mesdames et messieurs. Ching Chong. Oh, waouh. Anos qui l'a repris et ensuite Raftalak qui est tombé dessus. Désolé, j'étais énergé pour rien et j'ai oublié qu'il ne fallait pas dire Ching Chong. C'est la dernière fois. Bah, j'espère bien que c'est la dernière fois, frérot. C'est pas très gentil. Hein. Je suce. Très bien. C'est bien. Suce alors. Je vais même pas lire ton message. Attention, harcèlement, cake W, harceleur. Alors attends. J'ai commis une erreur et je tiens à m'en excuser. Je ne recommencerai plus. Pouvez-vous me débanner? J'aime pas quand les gens ils stipulent pas l'erreur qu'ils ont fait. Pourquoi tu la bannes, Anos? Ah, c'est requis par le clear. Ah, c'est moi. Ok, my bad. Ok, j'aime bien. Si c'est moi, ça va. Bah alors, Locke, t'es P-word? Et alors? Oh, la boulette, non, je m'excuse. Juste, on aime bien se dire ça avec les potes. Je suis pas ton pote. Oui, bien ça. Tu me prends pour qui? Ça, c'est intéressant. Mais je me demande ce qu'ils veulent, ces gens-là. Ils ont vraiment 13 ans et demi. Je viens pour m'excuser de mon comportement immature et raciste. Ok? Je suis vraiment désolé d'avoir écrit c'est concerné. Et je n'en reviens pas à quel point j'ai été stupide pour écrire cela, tout en sachant que ça pouvait attirer l'attention des modos. Je jure solennellement que je ne partage
j'inscrirai mieux au char. Si je me fais des bans un jour. Et encore une fois, désolé, pitié, débannez-moi. Pitié, c'était la première fois sur ton chat, j'étais stupide et je regrette. Le 7/30/2023, t'as rien fait de mal. La Squeezos numéro 1. Eh ben, putain, tu compliques pas les choses, toi. Les Squeezos, on les voit tout de suite dans les trucs de déban. C'est très drôle. C'est très, très drôle. Les Squeezos, on sait les reconnaître ici. Hein. Pourquoi tout le monde dit qu'il y a que W ? Je veux bien être gentil deux secondes, les gars, mais franchement, là, putain. Alors, monsieur moustache, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est moi qui les banne. Ça, c'est intéressant, chat. C'est moi qui les banne. Quand c'est moi qui banne, je suis content, chat. Je suis content. Alors, les écoles et universités seront fermées puisqu'un virus pire que le Covid arrivera. L'eau sera contaminée. Ce virus tuera beaucoup, beaucoup plus que le Covid puisqu'il sera létal. Alors, j'ai banne ce cucklord parce qu'il l'a écrit plusieurs fois. Il essaye de faire le phénomène Simpson se dégénérer, tu vois. C'est que ça. Donc, j'ai vite fait regarder ses messages. Et le mec répétait sur mon chat comme si c'était un malade dans la rue, là, tu sais. Les malades dans la rue là, qui sont là. Le monde va se terminer dans 10 jours. Dépêchez-vous. Et il a cru que mon chat c'était ça. Et il a avec ses panneaux publicitaires. Le monde va tout, tout va partir en couille. Je crois que frérot, tu sers à rien. Donc je vais quand même lire vite fait. Qu'est-ce que tu me racontes? En vrai, je sais pas pourquoi je suis ban. Ah bon, bah au revoir. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Oh, du racisme. Qu'est-ce que c'est original. Pardon, je voulais régler et faire une blague raciste. Je suis bête et si vous voulez amener mon bannissement, je jure que je ne referai plus jamais cela. Oui, oui, non. 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 Oui, oui. Un arabe avec une bombe. Oui, oui, non. Oui, oui, non. Dégage de ma chaîne. Dégage, gros noob. Idiot, flopman, tu pues. Ok, petite pub. Ok, il a pris un timeout. Pourquoi ils sont comme ça? Je suis arabe, tu veux une preuve? Je m'en bats les couilles que tu sois arabe. Oh non, 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 vas-y, c'est bon. Ouais, franchement, il sert à rien. Il sert à rien. Preuve, Google Trad. Dictature. Oulalalalala, oulala, flex. Cher génie de la modération et le clear. Bali pour avoir fait rire plutôt que d'avoir fait pleurer. Mes excuses pour la petite farce. Serait-il possible de me pardonner et de me réintégrer dans le chat merveilleux des spectateurs? Hâte de redevenir. Sérieusement amusant. Je baisse mon froc pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Des Batman bouffon, j'ai un QI nettement supérieur à toi. Je veux sub chez toi, moi. Pardon, signé des gènes. I'm free. Trop gay ce gars. Gays, nulos. Tu peux l'écrire normalement. Pourquoi tu mets un 4 Gaze et un S à la fin, tu sais. Et lui, il est gaze, lui. Et t'es gaze, toi, hein? Est-ce qu'il voulait dire gaze? Oh, ça se trouve, les gars, il sait pas écrire gaze. T'aimes bien les couilles, en fait. Ah non, ah non, ah non. Ah non. Ah là, je peux même plus le défendre, là. Je peux plus le défendre. Quand il enchaîne, t'aimes bien les couilles, après t'es gay. Non, je peux plus le défendre. Là, je peux plus le défendre, les gars. Bonsoir, les modos et Locke. Je tiens à m'excuser pour mes propos qui ont pu être controversés. Ah bon? J'ai réagi sur le coup de l'énervement à propos des points de chaîne que Locke ne voulait pas accorder aux viewers. Je regrette les mots que j'ai utilisés, mais il est important de savoir que Locke a utilisé des propos blessants. J'ai réagi impulsivement en voyant ce message. Bien que je ne le pense pas réellement, j'aimerais être débanné afin de pouvoir à nouveau interagir avec le chat et profiter de pouvoir à nouveau interagir avec le chat et profiter de... Allez, vas-y, deuxième chance. Mélenchon sort de ce corps. Moi. Ok, le son. Ah, l'un des messages qui me casse le plus les couilles depuis le début de ma carrière. Le son. Ah, tu sais, genre, tu sais pas, tu sais, en tant que streamer, j'aimerais quand même que YouTube voit ça aussi et que vous compreniez un petit peu mon POV. Quand vous dites le son dans un chat Twitch, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Le son, il y en a plus? Il est trop fort? Il est trop bas? Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne précisez pas et que vous dites juste le son, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je suis en mode, il y a plus de son? Il est trop fort? Il est trop bas? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? On fait comment? Et du coup, je ne sais pas. Bonjour, serait-il possible de démarrer cordialement, monsieur Pelletier? Il a dit quand même. Mélenchon sort de score. Ah, vas-y, allez, c'est bon. Niquez tous vos... Il a pas eu le temps d'écrire la suite. Il a pas eu le temps d'écrire la suite. Niquez tous vos... BAM. Il a pas eu le temps d'écrire la suite, les gars. Il s'est fait accrocher directement. Bon, bah t'as eu de la chance. Les modérateurs sont à l'affût, hein, frérot. Il a pas eu le temps d'écrire la suite, le pauvre. Oh, putain. Il a un très beau nez. Bah oui, bien sûr. Ah, franchement, une très bonne équipe, très réactive. Bah bravo les modos. Bravo. 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 Bravo Locke pour avoir engagé de tels éléments dans ton équipe. Car ce message quelque peu offensant a été envoyé lors de la Pixel War, entre parenthèses insane, avec un nombre colossal de viewers, soit 36 000 viewers. Ils m'ont alors percé à jour ce qui me laissait avec ces mots doux. Deux points. J'ouvre les guillemets. Allez bien vous faire. C'est mon troisième compte que je fais pour voir le stream de mon grand amour d'aller le pire. La bise.
Il est trop fort. Allez, je te déballe direct. Hein, putain, il est trop fort. Voilà, enfin, on sait tous que vous faites ban pour de l'attention, mais il y a un moment, les gars, où c'est plus drôle. Alors, trouvez des manières originales. Merde. Et faites-nous du contenu, bande de demeurés. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui, là? C'est quoi ce dégénéré, là? Il est en train de roucouler dans mon chat, là. C'est, on a un pigeon. Je suis désolé, j'étais jeune. 2022? Vas-y, ok. 1300 euros de salaire. Je les dépense au bar à striptease. Oh le cassos. Striptease. Alors je me demande ce que c'est le striptease. Je me demande ce que ça veut bien dire le striptease. Désolé, mes propos ont été inappropriés, racistes. Attends, mais j'ai pas compris. Regarde là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Ouais, je l'ai vu. J'ai honte d'avoir dit ça. Au moins, c'est bien, il a capté pourquoi. Parce que généralement, ils sont là en mode j'ai dit quoi, machin, tu vois. J'ai honte d'avoir dit ça, mais j'ai beaucoup mûri, frérot. C'est en janvier. J'ai une femme qui me comble de bonheur et d'amour. Ah bon? T'as une femme raciste aussi ou pas? Je te sub à la chaîne d'ailleurs. On sait jamais, MDR, Meloc, t'es le boss. Mais t'es pas sub, frérot, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, vas-y. Ok, très bien. Mais vraiment, on a un mec de inutile. Ah ouais, quand même. T'as mis 107 secondes, Raftalia, pour ça. Tiens, Raftalia. Pourquoi que 107 secondes, je comprends pas. 107 ouais. C'était début 2022, attends. Oh. Ah oui, t'as changé d'avis entre-temps? T'as changé d'avis entre-temps? Tu comprends, il a grandi, il a mûri. Comment ça, Raftalia? T'as grandi, toi aussi? Ah, t'as mûri. Bonsoir. Tout d'abord, je m'excuse de mon comportement. Les événements de ma vie font que, des fois, nous ne réfléchissons pas à nos actes et à leurs conséquences. En cas d'annulation de mon bannissement, je promets de ne plus jamais recommencer. Le chat me manque. Ah, je me demande pourquoi il te manque. En 33 messages, t'as réussi à dire plusieurs fois. Ok. Oh, waouh. Par contre, ça a été automodé. Hein. Beau gosse, l'automode. Mais ça, c'est pas automode, les gars, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Twitch raciste? C'était off-stream, ça? Ah, c'est off-stream. On a déjà fait des streams, Master C. Hein. La semaine dernière, t'en as fait, hein. Ouais, non, je veux pas. Le clear, le chinois cherche du sexe. Ça te fait rire? Ah non, ça te fait rire? Ça te fait rire, Anas? Raciste? Raciste. Il est mort de rire. Le mec, c'est un R, il arrive, t'es chinois? Ah non, peut-être japonais. Pourquoi ils spamment tous là? Et les modos, le chinois cherche du sexe. Il arrive sur mon live, il est en mode, mais t'es chinois? Ah, peut-être japonais. T'sais, il réfléchit à voix haute en écrivant, t'sais, c'est vraiment, toute la situation est incroyable, tu vois. Bonjour, Loclear. Je voulais seulement savoir tes origines car cela m'intriguait. Je suppose que tu n'es donc pas chinois, dit japonais, et que tu ne recherches pas du sexe du coup. Je m'excuse, je ne sais plus du tout ce qui m'a pris. Et cela fait un moment. 2021, effectivement, ça fait un moment. Alors, mais lui s'est fait mitrailler la gueule, il se passe quoi là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est de l'acharnement, ça, gars? Et pourtant, il s'était pris des 2 semaines et tout. Hein. Mais t'es mal à la gueule du dégénéré. Non mais t'es mal à la gueule de ce dégénéré, frérot. 722 messages, frérot, y'a rien qui l'arrête. Il revient toujours en force. Quel que soit le truc, il revient. Y'a rien qui l'arrête. Quelle ténacité, putain. J'admire cette ténacité. Ne faites pas comme lui. Putain. Frances ST. Ah là 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 là. Pixel War ça? Aïe, les Espagnols et leur seum. Bon, alors, leçon. Si tu vois ce message, lis-le, colis. Genre, j'ai Chris Mambazwan, c'est un bannissement, le grand Loclear. Je vous invoque, vous et votre grande générosité. Attends, j'ai du mal sur certains mots. Votre grande générosité. Oh putain, désolé, les Québécois. Saviez-vous, le bannissement est une première cause. J'arrête. Bon, allez, c'est bon, casse-toi. Désolé à mes amis Québécois. Demande, faites pas Loclear. Oula. Quand je pourra, je me sub direct. Oh, quand je pourra, j'adore. Franchement, j'adore. Quand je pourra, les gars. Oh, ça, j'aime bien. Quand je pourra. Donc là, on a un dégénéré, mesdames et messieurs. On a un vrai dégénéré. Il a marqué un point avec quand je pourra, les gars. Alors là, on a effectivement une manière très originale de mettre le noir. Ben là, regardez, on a des émotes Minecraft. Hein, ce qui montre réellement qu'il y a une corrélation entre être jeune et con. Les jeunes sont juste. Et aime bien jouer sur les limites. Hein? Ok, alors ça justifie pas les racistes, hein? Ça justifie pas, mais beaucoup de gens que je débanne ne sont pas réellement racistes, ils sont juste jeunes et c***. Ok? Mais vous voyez bien, pour mettre des émotes Minecraft, les gars, le gars il a 13 ans et demi, hein? Genre à tout péter, hein? Je suis désolé, je sais pas ce que j'ai voulu tenter, tu dois le bac, c'était de fait inapproprié. Il convient que cela ne se reproduira plus, en conséquence, je demande avec ferveur rédemption auprès du chat de l'équipe de Fédération. Bon, on sait tous pourquoi je suis ici, car j'ai pub ta chaîne sur ta chaîne.
Du coup, je m'excuse, Cringe Lord. Permets-moi de réaccéder au chat. Oui, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite, monseigneur. Tout de suite, monseigneur. La place de la femme, ok. Attends, qu'est-ce qu'il va écrire là? Qu'est-ce qu'il va écrire? Ça va être très drôle. Ah, je peux enfin écrire car je t'ai rendu l'appareil Camille _. C'est un modo ça, non? Ouais, ouais. Ouh là 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 là. En disant une phrase banale remplie d'humour, j'ai reçu le ban. J'imagine bien que cet modo, c'est un mec en plus, non? Ouais, c'est un mec. A reconnu sa place dans la phrase d'humour que j'ai dite la cuisine. Et Camille, c'est un mec, hein, ok? Mais bon, vas-y, t'inquiète. J'imagine aussi qu'elle utilise ses mains et sa bouche pour bien gober avec un service de qualité. Force à toi, Camille. Insulte ma mère en DM. Un putain de plus. Vas-y, ferme-la. Ça, c'est un petit alt-tab. Et je crois que je m'en souviens de son pseudo. Il me dit quelque chose, hein. Ouais, je ne parlais pas au streamer. Quelqu'un du chat qui n'arrête pas de dire non, 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 vas-y, déban. Là où je soulève, je suis pas très fort, mais je vais essayer. Ok, ok, que de l'honnêteté, hein. Vas-y, déban où je te soulève. Bon, je suis pas très fort, mais je vais quand même essayer, hein. Original, ça réveille. Frère, il t'a rien fait. Tu l'insultes. Ah, je m'en souviens, ça, chat. En gros, quand j'insulte un viewer, et tu sais, t'as souvent, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, je prends la défense. Jean-Michel Pascal, le grand frère, tu vois. Jean-Michel, le grand frère, qui vient et qui fait: mais frérot, hé, insulte pas les viewers comme ça. Par contre, les viewers, ils ont le droit de m'insulter à longueur de journée, me dire que je suis nul, j'ai jambes de coq, je suis moche, je pue, machin. Mais tu sais, t'as Jean-Michel, le grand frère, qui arrive, ok, et qui défend. Car juste tes titres à 4h du mat, car tu scams ta commu et ne drop rien. Ah, les points de chaîne en plus, tiens. Cher responsable de la chaîne de Locklear, putain, c'est moi le responsable de ma chaîne, frérot. Je vous écris pour exprimer mes sincères excuses et demander un démanissement. Il a baissé son ego, c'est cool ça. Pour avoir été banni de votre chaîne. Je comprends que mes actions étaient inappropriées et je suis prêt à accepter toute sanction que vous jugerez nécessaire. Tiens, m'excuser. Ok, ça me va. Et tu respectes quand ta communauté? Point de chaîne, chat. Point de chaîne. Désolé, j'avais un bon coup dans le nez. C'est quoi ça? Et ça me rend assez méchant des fois. J'ai honte de moi. Force à vous, les gars. Et encore sorry. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Tight. Oh, merde. Désolé, Locklear. Eh, désolé, Locklear. J'ai un bon coup dans le nez, là. C'est quoi le truc? Elle cheat. Encore un déjeuner, les gars. Encore un déjeuner avec le elle cheat, les gars. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont faciles à bait, c'est demeuré. Et vous vous rendez compte, les gars, on a du bait du monde, hein, quand même. Il y a certains squeezos qui sont passés par là en mode: mais il cheat? Non. Hein? Arrête de vouloir tuer les poulets. Oh, lui, je l'ai fait tilter sur Poudlard Legacy, là. Je m'excuse pour cette futile message, mais j'ai voulu aider un camarade qui avait besoin d'aide. Ok, honorable. En effet, il était en train de se faire insulter par Locklear. Je pense que le fait que tu joues à Valorant te fait tilt. Ah, tiens. Mais si tu me débannes, je n'en commencerai plus à aider les gens qui se font insulter. Et je serai d'accord avec chacun de tes avis. Oui, je suis invendu. Ok, top. Parfait, parfait. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Kiffez bien. Pause bleu. Pause.